bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Oxygen Not Included. Donc on va continuer notre colonie, on va essayer d'avancer. Donc là on avait un problème d'énergie, hein, donc on va essayer de résoudre ça. Donc là j'ai mis à creuser, on va essayer de faire une nouvelle pièce. Parce qu'en fait, donc je voudrais attaquer le générateur à charbon mais qui fait du dioxyde de carbone. Donc j'ai peur de polluer toute ma pièce. Je pense que je vais creuser une cavité qui sera dédiée à ça, hein, pour éviter de polluer tout le reste. Donc là, on va mettre une échelle. Voilà. Donc on va refaire. Voilà. On va faire une pièce. Et on va mettre ce fameux générateur de charbon. J'ai pas vu l'état des... J'aimerais bien voir l'état de mes stocks en fait. Non, sa base de données, j'en veux pas. J'ai pas l'état de mes stocks. Je sais même pas si j'ai du charbon. Ça va être ça le problème. On va jouer comme un noob, hein. On va regarder, on va essayer de le faire, puis on verra bien si... Alors je pourrais prendre 3000 en charbon. Bah, je vais pas prendre. Je vais essayer de le trouver sur le terrain de charbon. Il doit forcément exister, soit je l'ai pas vu ou... Alors, réaction en cas de stress, vomito, c'est pas terrible. Cuisine, oh, bah, ça peut être pas mal. On va prendre cuisine parce que je crois qu'on en a pas trop des répliquants comme ça. Je pense que ça va pouvoir nous aider à nous développer. Par contre, là, je vais sérieusement manquer de lit, hein. Faut que je fasse du lit là-haut, hein, parce que là, ça va pas le faire. C'est dans quoi? Dans mobilier, ouais, c'est ça. On va faire deux lits et peut-être une table d'hôte, hein. Ah, mais que je suis bête. Si je mets la dalle là, forcément, ça va pas le faire. Échelle là plutôt. Donc là on va se lancer dans la production d'énergie de masse, on va essayer. Vous voyez, j'ai grès de terre. Est-ce que quand je clique dessus... Donc là j'ai la capacité effectivement que je mets dedans. Ah, je suis bête, il est là le contenu. Charbon. Ah ouais, j'en ai très peu, hein. Et celui-là. J'ai des coquilles d'œufs, d'intoxication alimentaire. Je pense qu'il va falloir que je traite les... Je pense que la prochaine fois où j'ai un... J'ai le portail qui s'ouvre, il faudrait que je prenne le charbon. Alors les gaz là-haut, on va aller voir si on a un problème de gaz quand même, parce que si on a débloqué ça, c'est pas pour rien. D'accord, il n'y a pas de gaz. Ah ok, alors il faut vraiment qu'on... Ah oui, mais... D'accord. Sauf que pour l'instant, j'ai pas fini le câble, donc effectivement, je peux pas... Autre chose, est-ce que la... Oula, cavité qui est là... Si j'ouvre ici, je vais me retrouver avec le gaz irrespirable qui va passer là.
Et là, ça va être compliqué. Ah, mais attendez, parce que si je fais, je viens de penser quelque chose, vous voyez, avec mon, ma petite intelligence. Construire un filtre à gaz. Ouais, mais ça, je l'envoie où? Si je construis là, ça fait quoi ça? Ce que je m'étais dit, si je prenais le gaz irrespirable et que j'éjectais ailleurs, ça pourrait être bien, non? Ah là, il faut que je ramène la cavité là. Parce que là, il y a du gaz, hein, vous voyez? Il y a de l'oxygène ici. Si je commence à faire ça, ça va pas le faire. Hein. Et là, il y a de l'oxygène, donc en fait... Là, je peux très bien ouvrir sans problème. Pour faire passer l'oxygène chez moi, là. Vous voyez? Je vais ouvrir ici. On va essayer de faire ramasser un peu ce qu'il y a au sol. C'est quoi? Du grès. Je sais pas si ça me sert beaucoup, le grès, mais... Vous voyez, là il y a de l'oxylite, donc ça, ça fait l'oxygène, donc c'est pas plus mal, ça me fait une production vers le bas. Équipement enseveli. Oula! Ah d'accord. D'accord, c'est tombé en fait. Ok, c'est quand j'ai creusé, c'est ça lui est tombé dessus en fait. Ah, il me dit, bravo. D'accord, donc ça gère aussi la chute. Faut être honnête, c'est quand même très complet hein, comme jeu. Vous voyez là, j'ai creusé, c'est... Tout ce que je creuse là tombe là en fait. Hein. Là j'ai dû améliorer mon... Ah pas tant que ça, hein, parce que là je reste... On va dire que j'ai un... Celui-là il n'est pas en place. Tout ce qui est là, faut que ça soit en... Voilà. Faut que je fasse mon câble là. Mon câble, ça va être compliqué. Donc on va essayer le générateur à charbon parce que du coup il fait du dioxyde, mais là-haut j'ai de l'oxygène, donc ça devrait compenser. On va le mettre là au tout début. On va alimenter le réseau. Voilà. Donc au tout début, hein, j'ai eu des problèmes avec les câbles. En fait, quand le câble se marque rouge, c'est qu'en fait, le réplicant ne peut pas y accéder, hein, donc il ne peut pas le construire. Donc là, théoriquement, vous voyez, ils sont blancs, ça devrait être OK. Ah ben voilà. Alors, fais pousser une plante à partir d'une graine, peut-être utilisée comme dalle et pivotée avant la construction. Doit être irriguée en utilisant des conduites liquides. Ah ben ça, je peux l'irriguer là-bas avec ma pompe. Donc là, si je mets une... Alors attendez.
on va créer une dalle là. Ok. Et donc si je fais une ferme spongique, je devrais pouvoir l'irriguer. Alors, il faut que... Est-ce que ça, ça irait? Mais là, je... J'aurais pas dû... Non, c'est... Faut pas que je fasse ça, là. Faut que je fasse un pont, là. Voilà. Conduite, celle-là elle va bien, mais là faut que je fasse un pont liquide. Mince. Alors attendez, parce que comment je fais? Ah, haut pour pivoter, c'est ça. Voilà. Par contre, je suis pas sûr d'être dans le bon sens. Je vais faire liquide. Liquide. Pont liquide. Est-ce que ça fonctionne ça? Est-ce que je suis devenu un plombier hors pair? Pas de graines. On en met une de graines. Allez. Heureusement que ma nappe finalement est assez conséquente parce que du coup elle me sert depuis le début de la partie. Hein, parce que j'ai pas retrouvé d'eau ailleurs. Et bah écoutez, 600 watts, apparemment la centrale à charbon ça fonctionne. Alors ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors production 600 watts. Et combien je consomme en tout? On voit pas. Là, je prends 600 et 400, ça fait 1000. 120, 120, 120, 120 et 120. Écoutez, le super calculateur, il consomme pas tant que ça finalement. Hein. Du coup, on va mettre une recherche. Mais écoutez, ça avance pas mal sur cet épisode, je trouve. L'élevage, peut-être pas. Combustion fossile. Converti, ça pourrait être pas mal. Ceci dit, j'ai du charbon pour l'instant, donc il vaut peut-être mieux que j'aille vers autre chose. Raffinage, ah ça peut servir. Alors, produit des matériaux raffinés de manière inefficace à partir de ressources brutes. Écoutez, on va faire ça. Les douches, je les ai déjà. Ah, j'ai peur. Distillation. Vide le gaz des bonbonnes dans la nature. Transforme la vase en algues. On va faire ça aussi, distillation, parce que ça va m'ouvrir pas mal de choses. Unité de remplissage de bonbonnes. Purificateur d'eau. C'est pas mal ça. Parce que purificateur d'eau, vu l'eau qui stagne au pied de mes lits, là... Un lavage là. Alors par contre il me manque quoi là, du minerai. Oula. Alors on va s'occuper des compétences,
De Marie. Marie, elle, elle aime quoi, elle? Non, on va pas prendre ça. Mais Marie, elle aime quoi, en fait? Transport amélioré. Ruby, lui. On le met au minage difficile. Mima. Voilà. Catalina. Ah, ça peut être pas mal, ça. C'est pas mal. Voilà. Donc, par contre, du coup, on a ouvert une cavité là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en aliments? Ah, ben voilà, on a un réfrigérateur. Ben ça, ça peut être pas mal. Puisque j'ai vu qu'il y avait... Écoutez, on va en fabriquer un. Stock la nourriture est un, pas empêcher. Ben, écoutez, ça, c'est pas mal. Ça, on va en faire un. En plus, on va le mettre là, comme ça, il va être déjà raccordé. C'est très bien. Raffinage. Synthétiseur d'anglais. 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 D'engrais, excusez-moi. Utilise de l'eau polluée pour produire de l'engrais. Ça, ça peut être très bon aussi. Ah, par contre, il faut que j'entre de l'eau polluée. Alors ça, par contre, l'eau polluée, je dois pouvoir rentrer là. Voilà. Vous voyez là, tout ce qui est blanc, c'est mes sorties, apparemment. Donc si je fais un... prendre le liquide, les canalisations, ouais. Voilà, si je fais ça, je pense que c'est bon. Et du coup, on va produire de l'engrais. Écoutez, c'est pas mal, hein. On a eu un petit peu de mal à se lancer, mais là on est bien, ça commence à avancer là. J'ai l'impression qu'on passe à un autre level. Panneau parc. En réserve naturelle, ouais, ben là on n'en est pas encore. Je... même pas station d'agronome. Produit de l'engrais mais... pour augmenter le taux de croissance des plantes. Ok, mais là on va pas trop se lancer à tort et à travers, donc on va déjà essayer de faire finir. Donc la recherche ça avance tout doucement, c'est pas un problème. Je pense que là faut les faire, voilà, faut les faire finir ce qu'ils ont à faire. Il y a assez de choses à ramasser. D'ailleurs là il y a plein de choses à ramasser là aussi. Étage là, je pense que cette dalle, je vais l'enlever, elle est trop. Par contre, on va, à mon avis, on risque d'avoir un souci assez vite. C'est l'eau, il va falloir qu'on récupère soit l'eau en bas là. Sauf que là, ça a l'air assez austère. Hein. Rush magmatique. D'accord, là j'ai l'impression qu'on rentre dans un autre biome en fait. Hein. Croissance. D'accord. Il y a des plantes. Alors. Autre erreur, j'ai pas activé mes stocks bien entendu, c'est pour ça qu'ils ramassent plus. Alors est-ce que... ah non, de la terre j'en veux pas. Et
Et si on prenait ça là? Ah, je me dis que non. Ah, je me dis que non. Je me dis qu'un bonhomme de plus, ça serait bien. Celui-là, il me plaît bien. Et voilà, nous sommes un de plus. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Et ben, je vous dis à bientôt. Allez, à plus.